Et salut à tous, c'est The Stocks. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo très particulière. C'est une annonce que j'ai à faire passer. Dorénavant, je changerai ma façon de noter. Donc, ce sera maintenant sous forme d'étoiles et non sous forme de chiffres. Pour que ce soit un peu plus sympa et un peu plus décontracté pour vous, sans pour autant aller dans l'amateurisme et puis taper dans un truc pas sérieux. Donc ce changement n'est pas pris uniquement par moi, mais également par mon collègue Zakor, que je remercie énormément, parce que sans lui, je pense que le projet n'aurait pas abouti, je pense en tout cas. Ce changement s'effectuera simplement à partir de maintenant, donc nous noterons simplement sous forme d'étoiles. Voilà. Également, je vais faire pas mal de tests d'accessoires, parce que j'ai pas eu le temps ces temps-ci, mais ça va arriver, vous inquiétez pas, ça va arriver. Donc le test du cahier AV2, savoir ce qui aura changé, les points qui seront similaires par rapport au V1, le comparatif entre Namor et Kaya, et puis si le test du Namor S-Tips, du Sogouk, le comparatif entre les deux, savoir lequel est meilleur niveau qualité prix. Et puis bien entendu des Chiasso et des Hydro-Herbo qui vont arriver dans pas très longtemps, ainsi que des AF-Herbo, mais sans oublier les Charbons et les 3 Fantasia qui vont arriver dans peu de temps. Voilà, donc j'espère en tout cas vous retrouver très bientôt, je pense demain, pour un chiasso au raisin, je pense, parce que j'ai envie de tester ce parfum qui m'intrigue un petit peu quand même. Voilà, l'annonce est passée, donc nous changeons officiellement de notation, donc pour la notation en étoile. Voilà, donc j'espère que cette petite vidéo vous aura mis un petit peu le voile à la bouche, j'espère en tout cas, et on se reverra très bientôt pour une nouvelle vidéo et un nouveau test. Allez, salut les enfants, à plus!